Aujourd'hui, j'ai tellement la dalle que je vais faire l'ouverture de mon resto cambodgien et vietnamien. Là, le rideau est encore fermé. Je serai devant le magasin quand il va ouvrir. Comme au théâtre. Comme pour les concerts. Ouais, comme au théâtre, les trois coups. Ah ouais, ça va. Donc je vous dis quand même bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça va être bien, vous allez voir. J'ai faim. On parlera plus tard. Il est 11h59. Ça y est, il est midi. Voilà. C'est toujours pas ouvert. Bon. Voilà. Oh là là. Oh là 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 là. Coucou. C'est bon. J'ai enfin eu. Ah, ouvert. Ah là. Bonjour. Comment ça va? Enfin, j'ai réussi à capter l'ouverture. Ouais. Tiens, on va passer avant moi, ma grande. Oh là là, non, 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 passe-moi. Non, tu m'as dit d'abord toi. Non, je t'ai dit d'abord toi. Ah, j'avais compris d'abord toi. Non, 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 les blogueurs d'abord. Alors, aujourd'hui, il y a quoi? Du curry au poulet, comme d'habitude. Ouais. Comme tous les vendredis. Je viens rarement le vendredi. Et bah, un curry pour moi, avec du riz, alors. Oui. Prends des nems, hein. Bah, bien sûr, 4. 2 de chaque. Bah, moi, je sais pas, je vais en prendre 4. Ah ouais, j'ai faim, j'ai jeûné hier soir. Ah non, mais pour me purifier un peu, parce que je mange trop. Et le soir, on stocke les calories. J'ai ça, j'ai vu que sur le vlog, il y a des tonnes de... Ah voilà, vous avez vu ça. Il y a des tonnes de restos testés. Donc là, nous sommes chez Niam. C'est nos chouchous. Ah ouais, on adore. C'est nos chouchous, voilà. Mais elle est où votre maman, parce que... Elle est là. Elle arrive. Donc voilà, c'est vietnamien, cambodgien. Il y a un plat qui change tous les jours. Tous les jours, il y a Rilok Lak. Sinon, tous les jours, il y a Boboon. Et les meilleurs nems, franchement, ils sont dans mon top, les nems d'ici. C'est les nems de la maman du monsieur, celle qui les fait. Oh, de toute façon, le nem, on sait jamais vraiment trop ce qu'il y a dedans. Hein. Exactement. Il faut garder un peu de mystère. Bah oui, tout à fait. Une fois, j'avais vu une interview, ils interviewaient une dame qui faisait des nems, il lui avait demandé il y a quoi dans les nems. Elle avait répondu vaut mieux pas savoir. Non, parce que moi, je suis une chouchotte. Hein. Non, il y a un comique, je sais pas. Frédéric Shaw. Ah oui, Frédéric Shaw, l'asiatique du Jamel Comedy Club. Il est dans son spectacle, justement. Ah ouais. Bon, donc on va déguster bien sûr et je vous mets l'adresse. Ouais, bien sûr, t'inquiète pas, je vais pas me faire éclabousser. Hop là. Hop là. Voilà, je vous mets l'adresse en barre d'infos. Ça s'appelle Niam et j'ai appris, grâce à certains d'entre vous quand j'en ai déjà parlé, que Niam ça veut dire manger en cambodgien. Bon, et maintenant que moi, j'ai mangé, j'aimerais savoir ce que vous mangez. Je vous ai demandé hier sur Snapchat de m'envoyer des snaps vidéo avec ce que vous étiez en train de manger ou ce que vous étiez en train de préparer, et bon, on va voir ce que ça donne du coup. Alors, je mets mes lunettes pour être sûr de bien voir ce que vous me proposez et ce que vous mangez, et on y va, c'est parti. Ah, Waffle Factory, ouais, c'est trop bon, c'est un truc de gaufre ça. Aussi bien sucré que salé. Là, ça a l'air d'être muté là. C'est ma chanson. Ouais, en fait, c'est un restaurant indien à volonté et il est génial, il est super bon. Donc, si t'es devenu fan des restaurants indiens, bah, ce sera le prochain. Hein. Ça a l'air tentant. Hein. Ouais, salut Flo. Nickel, tes vidéos continuent comme ça. Je voulais savoir si t'avais déjà mangé à Tacos Avenue. Non. Voilà. Allez, bise, continue comme ça. Florian, je te montre. Ça, c'est la soupe. Ah, la chorba. Le poisson, j'ai jamais goûté. T'es que là, j'ai un poisson. Ah, bah ça fait plaisir que vous découvriez les bokis grâce à moi. Beaucoup de légumes, du saumon et l'aioli. Ah, l'aioli. Voilà, imagine, ils sont pauvres. Petite cuisse de poulet marinée au paprika, piment et plein de petites épices, oignons. On est chauffé. Ça mange bien. Et pendant ce temps-là, on va couper les petits légumes. Une fois que c'est cuit, on réserve. On met les petits légumes à cuire qu'on mélangera avec des céréales. Et voilà, c'est prêt. Eh, bravo. Bon bah j'arrive. Bon appétit. Merci. La chanson. Hello Florian, je vais te montrer comment je fais mon cheeseburger salade. C'est tout bête. Tu sales et tu poivres deux steaks.
ensuite tu les mets à cuire 4 minutes de chaque côté. 4 ou 5 minutes, ça dépend de ta préférence. Ok. Et 4 minutes, tu ajoutes des rondelles d'oignon. Tu les retournes de temps en temps. Et tu laisses cuire encore 4 minutes. Quand c'est cuit, tu découpes ton steak en morceaux, tu mélanges bien avec les oignons et tu mets le tout sur un lit de salade. Tu rajoutes des tomates en dés, du fromage cheddar ou du gouda et hop, des chips. Ah génial! Et je vais la refaire. Trop bien, merci. Je fais des petites pâtes avec une petite sauce maison, crème, jambon cru. Valeur sûre. Parmesan. Très bien. Voilà, aïe aïe aïe. On l'a tout mangé, frérot, c'est pour toi. Merci. Salade de riz maison, un régal. Potatoes fait maison. Eh, vous cuisinez chez vous? Potatoes. Bon appétit. Merci. Je mange mes fraises de mon jardin. Elles sont super bonnes. Il y a du bruit dans ton jardin. Préparation de ratatouille. Je vais te faire l'intégralité de la recette, Flo. Ah, la ratatouille avec Florian. Bon coca, Florian. Ça va ou sinon, toi? Oui, ça va. Voilà, donc moi, ce que je mange, tu vois, c'est des pois de wasabi séchés. Donc, c'est super bon, un peu épicé. Donc, franchement, je te conseille. Regardez-moi ça, un bon petit melon. Et ouais, Florian, un putain de bon melon bien sucré. Quand il fait chaud, rien de mieux. Et bah voilà, valeur sûre. J'ai reçu plein de snaps, plein de vidéos, j'ai reçu des photos aussi. Un grand, grand merci à vous tous. Je peux pas répondre à tout le monde, mais ça me fait trop plaisir. Et puis bah voilà, petite sélection à l'instant de ce que vous mangez en ce moment chez vous. C'est cool. Bon, on va terminer cette vidéo comme ça. Merci à vous tous de me suivre chaque jour de plus en plus nombreux. Normalement, dans les 24 heures, on va atteindre les 50 000, donc ça devrait tomber dans le courant de ce dimanche. Je vous propose de faire un Facebook Live, donc ajoutez-moi sur mon Facebook Florian On Air, pas Florian On Air Pro, hein. facebook.com/Florian On Air. Vous me rajoutez et demain à 22h, je ferai un petit Facebook Live avant de partir dormir parce qu'après je me lève tôt lundi et mardi, je suis de remplacement au morning à la radio, donc je serai de 6h à 9h sur Latina. Donc dimanche, on sera le 26, 22h, 23h. Rendez-vous pour un Facebook Live sur ma page Florian On Air et on verra ce qu'on fait pour les 50 000 abonnés. J'espère qu'on les aura atteints d'ici là, sinon rien, on verra bien. Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. Merci à tous, à très vite, ciao.